Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais changer mon filtre à gasoil sur une Volkswagen Golf 7. C'est un 2 litres TDI 150 chevaux. Alors le filtre à gasoil se situe à cet endroit là, dans ce petit bocal métallique. Et puis ce qu'il va falloir, j'ai déjà préparé un petit peu les choses qu'il faut. Donc évidemment un filtre à gasoil neuf, donc moi j'ai pris cette marque et ce modèle ci j'ai pris du gasoil propre à la station. J'ai pris une petite bouteille vide en récipient, et puis ensuite là j'ai une petite pompe d'aspiration pour retirer on va dire le gasoil qui est dans le récipient du filtre à gasoil, qui est impropre normalement. C'est pas une obligation de le faire, mais moi je le fais. Donc on va l'aspirer, puis ensuite je réinjecterai du gasoil propre pour un démarrage du premier coup, et plus facile. Ensuite il faudra également un petit cliquet avec une douille slipant et un petit chiffon. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder donc au dévissage des 5 vis. Vous en avez une ici et 4 là, donc voilà, on y en a 5. On les retire. On va les mettre à un endroit bien sûr de ne pas les perdre. Voilà. Donc là j'ai retiré les 5. Donc je vais prendre le récipient. Je vais mettre le récipient. Alors, on va lever la partie du haut. Oups, il y a un peu partout. Donc c'est normal que ce soit un petit peu dur, parce qu'en fait avec le joint ça fait étanchéité. Ça se présente comme ça. Alors, je vais chercher un tournevis pour faire un peu le vis. Donc on retire le filtre. Je vais laisser un petit peu égoutter. Donc vous voyez là, je l'ai fait en fait, je l'ai changé l'année dernière à 101 500 km, ce filtre-ci là, et la voiture elle va faire 140 000, donc bon, en 39 000, 38 500 km, on s'aperçoit qu'en fait le filtre est un petit peu sale quand même, parce que d'habitude, normalement le papier est quand même beige très clair, et celui-ci il est un petit peu déjà un petit peu couleur marron, et on voit même que le gasoil est un petit peu foncé quand même. Je mets de côté. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé, vous voyez, donc là il y a le gasoil qui est au fond avec certaines impuretés qu'on voit pas à l'œil nu comme ça, mais il n'est pas propre. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec la pompe d'aspiration, bien je vais venir aspirer tout le vieux gasoil, et ensuite je remettrai du gasoil propre. Donc là ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai installé la pompe d'aspiration. Donc là je vais la brancher. Donc pour brancher, eh bien vous avez le moins
de la batterie avec le moins de la pompe d'aspiration. Et puis là, vous avez le plus. Donc le plus, il se trouve ici. Je vais le brancher. Voilà, c'est pour alimenter en 12 volts la pompe. Donc là, il y a ce petit tuyau, en fait, c'est celui que je vais mettre eh bien, dans le bocal. Comme ça, je vais venir aspirer le vieux gasoil. Et avec la pompe, en fait, ça va revenir dans la bouteille. Alors, je vais allumer la pompe. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien, le bocal est propre. En fait, on n'est pas obligé de le faire, ça, c'est-à-dire aspirer le vieux gasoil. On peut directement mettre automatiquement le nouveau filtre. Mais bon, moi, voilà, j'ai la pompe d'aspiration, donc je profite à faire de cette manière-là. Comme ça, je repars sur un bocal 100% propre. Donc là, maintenant, je retire. Alors, vous voyez un petit peu comment c'est là, le gasoil. Il est pas, il est un peu plus foncé, sachant que la bouteille était entièrement propre. Le gasoil est un peu plus foncé, et si on le laisse reposer pendant, je sais pas, peut-être 10-15 minutes, eh bien on s'apercevra, parce que je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je le dis, plein de petites impuretés. Bon là c'est pas le cas, parce que c'est encore un petit peu en suspens, mais si on laisse reposer, eh bien en fait il y a plein de petites impuretés marron-noir qui se retrouvent au fond de la bouteille. Donc voilà. Donc là je débranche. Et je retire tout ça. Donc maintenant, bah c'est très simple. Alors avant tout, je vais remplir donc de gasoil propre. Tout de suite, on voit un petit peu la différence quand même. C'est beaucoup plus, la couleur est beaucoup plus intense, beaucoup plus jaune. Je vais pas remplir à fond parce que quand je vais plonger ensuite mon filtre neuf, le niveau il va monter et je veux pas que ça déborde. Donc je vais mettre à peu près comme ça, à un tiers. Et là maintenant, je peux mettre mon nouveau filtre. Un petit peu. Alors je remets du gasoil, je le rappelle, parce que comme ça ensuite quand je vais redémarrer la voiture, eh bien le démarrage se fera du premier coup, parce que si vous faites pas ça, eh bien la voiture elle va forcer à démarrer, puis la pompe elle va donc se injecter du gasoil de manière à remplir. Et le démarrage ne se fera pas du premier coup, mais peut-être du troisième ou du troisième ou quatrième coup. Voilà, c'est fait. On remet les vis. Et on serre à fond.
Voilà. Ça c'est fait. Donc ce que je vais faire, je vais faire un petit démarrage. Je vais chercher mes clés. Et je reviens. Et voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt, au revoir.